Bonjour, bienvenue sur la chaîne L'Art du Pastel by Esté. Je suis heureuse de vous retrouver en ce vendredi et comme tous les vendredis pour une nouvelle session démo autour de la peinture au pastel sec, mais pas que, puisque j'utilise aussi les techniques mixtes. On va continuer notre session, à savoir les avantages à peindre des miniatures. La précédente vidéo était une vidéo sur les marines. Je vous mets le lien en haut à droite si vous ne l'avez pas vu. La deuxième était un champ de coquelicots. Pareil, je vous mets le lien en haut à droite. Et le coucher de soleil qui était la vidéo 3. Si vous ne l'avez pas vu et que vous souhaitez la visionner, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut à droite. Alors, je vous expliquais le matériel et notamment comment je le détourne lors de mes précédentes vidéos. Donc, je vous invite à les regarder, mais vous trouverez aussi des articles pour profiter d'un support écrit en allant sur mon site internet que je vous indique ici, mais dont vous trouverez aussi le lien en barre d'information et en descriptif de la vidéo. Pour toute démo, j'utilise une seule boîte de pastel. La boîte de 120 demi-pastels de Sennelier achetée chez Armania a un prix imbattable et dont je vous mets ci-dessous le lien en descriptif. Par contre, pour cette nouvelle démo qui est un champ de fleurs sauvage aujourd'hui, je vais utiliser un autre support pour lequel je vous ai fait un descriptif détaillé que vous trouverez sur le blog mais aussi sur les vidéos précédentes. Donc n'hésitez pas à les regarder. Alors, le papier en question est le Luxe Archival. On le trouve chez Jackson Supplies. On ne le retrouve pas en France, hein, malheureusement. C'est un papier d'art poncé, hein, qui est de qualité professionnelle. Il a été conçu pour les besoins des artistes, hein, qui pratiquent le pastel, mais qui pratiquent aussi le crayon. C'est créé en fait sur un panneau 100% coton. 300 grammes et il résiste à la lumière et il a une surface qui est très très durable dans le temps. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un petit format. Ce sont les fameux papiers présentés et vendus par Jackson. Donc dans une pochette, vous avez différents papiers abrasifs pour les essayer tout simplement. Je trouve que ça c'est bien pratique lorsque l'on ne connaît pas les différents supports et qu'on veut tous les tester. Donc n'hésitez pas, j'avais fait une vidéo hein, sur le sujet. Et notamment le matériel que j'avais acheté chez Jackson. C'est en partie aussi du matériel hein, que l'on peut trouver chez le géant des beaux-arts, mais malheureusement pas ce papier archival, Luxe Archival. Donc, et en plus celui-ci, je crois, oui, il fonctionne avec l'humidité aussi, donc on peut y apporter de l'eau. Et j'avais bien sûr acheté des carnets pastel mat qui étaient en promotion, mais on les trouve aussi au Géant des Beaux-Arts. N'hésitez pas à regarder ma vidéo hein, sur le matériel. Donc ça, c'était un petit extrait de ma vidéo sur tout le matériel que vous pouvez utiliser pour peindre au pastel. Je vais essayer de vous mettre le lien en haut à droite. Malheureusement, il s'affiche pas toujours en fonction du support utilisé pour la lecture de la vidéo, mais je vais vous mettre le lien aussi en barre d'information, en descriptif. Donc, n'hésitez pas à les regarder si besoin. Et voici les couleurs que l'on va utiliser pour ce champ de marguerite. Et on avait deux crayons hein, qui sont des carrés comptés de chez Paris que j'affectionne parce qu'ils ont une texture qui adhère bien à ce type de papier et qui se superpose bien au pastel. Donc je commence mon ciel en négatif puisque je laisse apparaître les éléments, c'est-à-dire les nuages qui sont beaucoup plus clairs en laissant des blancs sur mon papier. J'ai utilisé ici un bleu ciel, c'est un bleu de chez Sennelier puisque j'utilise essentiellement, enfin que pour ces miniatures, la box 120 pastel, soft pastel de chez Sennelier, dont je vous ai fait la présentation dans d'autres vidéos aussi. Je reviens bien sûr avec un autre bleu parce que je voulais apporter un bleu qui soit entre, qui tire un peu sur du violet, mais qui soit aussi clair. Et pour obtenir cette couleur, eh bien, j'ai mélangé deux pastels, donc deux pigments, pour obtenir la couleur escomptée. Vous pouvez bien entendu, hein, lorsque vous n'avez pas toutes les couleurs dans votre box, faire des mélanges de pigments comme je viens de le faire pour obtenir la couleur souhaitée.
On peut mélanger jusqu'à trois couleurs hein, au pastel. Je conseille moi de mélanger deux couleurs et éventuellement d'éclaircir avec du blanc ou un neutre pour pouvoir. Alors un neutre en général c'est des couleurs avec du gris hein, à l'intérieur pour pouvoir obtenir une valeur foncée ou claire. Ne mélangez pas plus de couleurs. Entre elles, sinon vous allez avoir un côté un peu brouillon, bouilli, un petit peu comme à l'aquarelle hein, au final, et vous risquez de ne pas maîtriser finalement le rendu. Je commence toujours avec mes sombres, donc là j'ai mis une couleur prune. On aurait pu utiliser, comme je vous le dis souvent et dans chacune de mes vidéos, un bleu marine, et on va apporter des couleurs orangé, rouge, qui sont les complémentaires du vert, pour apporter de la lumière à mon champ de marguerite. Je ne rentre pas dans les détails, comme je vous l'ai déjà expliqué, et n'hésitez pas hein, d'ailleurs à regarder la première vidéo sur les miniatures qui était un paysage marin, où je rentre vraiment dans le détail des avantages à peindre en miniature. Parce que c'est important. C'est ce qui va vous permettre aussi d'évoluer. Parce que vous n'allez pas rentrer dans les détails. Vous allez apprendre davantage à maîtriser les valeurs. Je rappelle que les valeurs, c'est le sombre et la lumière. C'est le clair et le foncé. Et c'est ce qui va apporter finalement de la dimension à votre peinture. Je reviens ici pas avec un blanc, j'utilise rarement le blanc. Le blanc, je conseille de l'utiliser avec parcimonie et par petites touches pour apporter des éclats de lumière sur un verre, voilà, sur un dans un œil, etc. Mais utilisez plutôt des blancs ou des, enfin des roses, pardon, ou des bleus qui tirent sur du blanc. Voilà, c'est un blanc finalement dans lequel on a mis un peu de pigment coloré. Je reviens ici avec les couleurs violet que j'ai sur mon premier plan, hein, qui est ma sous-couche de champ, pour apporter un petit peu de forme à mes nuages. Et en plus, ça me fait un rappel de couleur. Alors, on évite, pardon, de mettre un buisson ou un arbre en plein milieu. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre lorsque l'on peint. Un tableau. Les éléments doivent être harmonieux. On met en général, ici on n'a pas grand-chose à part un arbre, hein. On n'a pas de maison, etc. Donc on va le mettre sur le côté. Et on va aider finalement le spectateur de notre peinture à s'aventurer dans notre tableau et à avancer à prendre un chemin, celui que l'on souhaite. Qu'ils prennent. Pour ce faire, effectivement, on peut utiliser les couleurs, on peut utiliser effectivement des zones bien spécifiques du tableau et on peut aussi mettre des éléments de la base de ma peinture, donc du premier plan jusque à l'horizon, de manière à aiguiller le regard là où on veut l'emmener. Donc je reviens ici avec un pastel kaki, hein. Donc j'amène d'abord mes sombres et après je vais apporter mes lumières. Au loin j'ai mis un vert dans lequel il y a du jaune, hein, c'est un mélange de jaune et de vert, neutre parce que je suis au lointain et lorsque vous voulez faire apparaître des couleurs au lointain, utilisez essentiellement des couleurs froides et neutres. Et si vous voulez faire apparaître un élément au loin, je vous le répéterai jamais assez, utilisez des bleus et des bleus froids, voire des violets. Je vais revenir à plusieurs reprises pour trouver en fait une harmonie hein, au niveau de mon champ. Et je n'hésite pas de temps en temps à rentrer dans le détail hein, en mettant quelques herbes. Alors on aurait pu utiliser un pastel dur, hein, type carré comté ou nu pastel, je vous en avais déjà parlé, et faire apparaître quelques herbes et brins d'herbe et de différentes tailles pour que ce soit naturel. Un petit peu comme si vous étiez allongé sur le champ et que vous regardiez au loin le paysage et vous avez des herbes hautes finalement qui
monte finalement jusqu'au ciel. Alors il ne faut pas hésiter, hein. Je reviens ici avec un vert qui tire sur du gris, donc juste avant celui-ci pour lequel je vous fais le petit pouce, parce que je veux apporter de la lumière à mon buisson, sans trop en faire, je ne veux pas une couleur flashy. Et là, pour mes buissons qui sont au loin, j'ai utilisé un vert dans lequel il y a du turquoise, donc on a du bleu, et c'est un vert froid, hein, qui me permet de faire les buissons lointains. Je fais un rappel sur le buisson qui est au second plan, pour pas qu'il y ait de jonction trop abrupte entre les deux. Donc je reviens avec un violet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour faire apparaître toujours ce que je souhaite, les éléments que je souhaite peindre au lointain. Donc le violet ou le bleu, ou un vert ou des couleurs très froides, dans lequel finalement vous avez du bleu, pourquoi pas. Je reviens ici pour peindre le cœur de mes marguerites, donc je commence avec un jaune. On aurait pu utiliser du orange, hein, puis revenir aussi avec du jaune. Je vous rappelle que là, on est dans un esprit de peindre en miniature. Donc, ça veut dire qu'on doit peindre en moins de 10 minutes un paysage. On ne va donc pas rentrer dans le détail. Donc, ce qui est au loin, je ne vais pas faire des gros ronds, donc des gros cœurs de marguerite, mais plutôt des petits points, puisque plus c'est loin, plus c'est petit. D'accord. Et puis, je veux faire quelques pétales, voilà, avec un pastel qui est un petit peu plus affûté, pour suggérer mes marguerites. Voilà. Donc, normalement, au loin, je devrais en faire des plus petites. Voilà, au fur et à mesure que j'avance. C'est pas toujours évident lorsque l'on travaille sur une surface petite. Donc là, on est sur un format A5 avec un gros pastel. Ça va vous apprendre aussi à maîtriser le toucher du pastel et de varier justement l'intensité aussi, en appuyant un peu plus, un peu moins, en ayant la main plus légère, en ayant la main peut-être plus lourde dans les endroits où vous voulez que ce soit plus important, plus épais, plus gros. Voilà, donc l'intérêt de peindre en miniature, c'est bien entendu de maîtriser davantage vos couleurs, d'utiliser une même box pour connaître le pigment et la marque utilisée. Apprendre à utiliser un même support. Donc là, je vous en ai présenté trois, hein, sur les différents tutos que j'ai fait dernièrement, parce que je voulais aussi ouvrir les possibles, de manière à ce que vous essayez en fonction du matériel que vous avez et que vous ne soyez pas bloqué parce que vous n'avez pas de pastel mat. Vous pouvez très bien utiliser du papier aquarellable dans lequel vous allez ajouter un support en sous-couche pour faire adhérer votre pastel. Il suffit de regarder, bien entendu, les anciennes vidéos pour comprendre ce dont je parle. Et je reviens avec un crayon, qui est un crayon fusain, qui va me permettre finalement de faire les petits détails, mais pareil, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas faire chaque brin, aucun intérêt ici, je ne fais que suggérer. Voilà. Donc l'intérêt aussi de faire des miniatures, c'est de pouvoir faire une peinture en 10 minutes tous les jours, donc journalière. Lorsque l'on travaille, ce n'est pas évident. Lorsque l'on a des enfants à gérer, etc., c'est pas évident de s'octroyer un petit moment pour vous. Ça vous apporte finalement un moment de détente, pas long sur 24 heures d'une vie. N'hésitez pas à vous prendre ces 10 minutes pour vous. C'est important de se focaliser un petit peu sur quelque chose qui vous apporte du bien-être et qui vous permet aussi de vous recentrer sur vous et d'oublier un petit peu votre quotidien. Je reviens ici avec un brun pour apporter un petit peu d'ombre, juste pour suggérer que tout simplement ma lumière, hein, et mon soleil, et me dire bon ben voilà, à tel endroit j'ai un peu plus d'ombre qui peut être amenée par des arbres ou un nuage. Et puis je reviens bien entendu avec un pastel plus lumineux pour apporter de la lumière.
Voilà, donc j'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura appris beaucoup de choses. En concernant le support, c'est un support qui ressemble un petit peu au papier UART pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un papier abrasif sur lequel j'aurais pu faire une sous-couche à l'humide. Voilà, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker. À partager aussi, c'est gratuit, ça vous permet aussi de partager avec d'autres qui n'ont peut-être pas forcément les moyens de se payer un cours. Les tutos, je le rappelle, sont gratuits, celui-ci est en temps réel et n'hésitez pas à vous abonner, ça va vous permettre d'être notifié des prochaines vidéos que je publie, en général le vendredi, mais il m'arrive de publier d'autres vidéos et notamment exclusives sur le blog, donc n'hésitez pas à aller regarder. En attendant, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un bon week-end et j'espère à très bientôt.